t'aime, Yeshua, je t'aime.
Yeshua, je t'aime. Yeshua, je t'aime. Jésus-Christ, je t'aime. Saint-Esprit, car tu me permets de connaître Jésus et je veux te dire je t'aime. Oh Saint-Esprit, je t'aime. C'est toi qui m'aides à comprendre et à connaître Jésus. À comprendre et à connaître l'amour du Père. Saint-Esprit, je t'aime. Merci pour la connaissance que tu me donnes, Jésus. Par le Saint-Esprit. Oh, Abba Père, je t'aime. Abba Père, je t'aime. Alors exprime ton amour avec tes mots. Dis à Jésus combien tu l'aimes. Dis au Père combien tu l'aimes. Dis au Saint-Esprit combien tu l'aimes. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, toi qui nous as sauvés de la mort. Nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons te dire encore ce soir que nous t'aimons. Merci pour la grâce que tu nous donnes. Abba Père, merci pour ton amour que tu me révèles en Jésus par le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit que tu as mis en nous, qui nous fait connaître le Père, qui nous fait connaître le Fils, sa grâce et son amour. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous donnes. De pouvoir connaître et vivre par l'Esprit, de marcher par l'Esprit. Merci pour cette grâce. C'est par le Saint-Esprit que nos yeux sont ouverts sur les Écritures. C'est par le Saint-Esprit que nos cœurs sont ouverts. Merci, merci pour cette grâce que tu nous donnes. Merci Jésus, merci Jésus. Merci de nous faire connaître le Père. Merci de nous faire connaître le Père. Grâce à toi, Dieu n'est plus invisible. Son amour n'est plus invisible. Son amour n'est plus abstrait, mais il est concret, il est réel et je veux bénir ton nom. Merci Jésus. Reba sante kerebo sanderebo. Iraba sante rebo shekerebo santa yababa. Yenderebo saka babababa. Yenterebo shenderebo saka babababa. Yekaraba sante rebo. Mon âme te loue ce soir. Mon âme t'adore. Je te lève, Seigneur, dans l'assemblée des saints. Je bénis ton nom, je reconnais ta bonté dans ma vie. Je reconnais ta bonté dans la vie de mon frère. Je reconnais ta miséricorde dans nos vies. Tu nous as fait grâce et miséricorde. Tu nous as fait grâce et miséricorde. Loué soit ton nom. Loué soit ton nom. Loué soit ton nom. Merci Père. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ce jour. Merci pour cette rencontre entre toi et nous et entre nous et toi. Merci de nous avoir choisis, de nous avoir réunis, rassemblés, attirés en ce lieu. Certainement pour nous faire du bien, pour nous instruire. Père, nous voulons valoriser ces moments et apprécier la grâce que nous avons
de nous réunir en ton nom, autour de ta parole et de t'écouter par le Saint-Esprit. Sois béni et que ce temps serve à ta gloire, à notre édification et à notre bénédiction. Au nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alors, comblez les vitres, si vous pouvez avancer. Comblez les vitres, les places qui sont vides. Est-ce que je peux vous poser une question? Puis-je vous poser une question? Oui ou non? Que venons-nous de faire tout à l'heure? Que venons-nous de faire depuis que la réunion a commencé? Pardon? J'ai pas entendu. Louer et adorer, n'est-ce pas? Ok, je suis d'accord. Que faut-il pour adorer? Quel est l'élément essentiel pour adorer? Je vais déjà vous dire ce que vous ne devez pas me dire. Il faut un conducteur. Il faut qu'il y ait la sœur Chimène? Non. Il faut qu'il y ait de la musique? Non. Il faut qu'il y ait des cantiques? Non. S'ils sont là, c'est bien, n'est-ce pas? Que faut-il alors pour adorer? Je veux des réponses individuelles. Chaque personne qui répond, répond au nom de l'Assemblée. Donc si elle se trompe, elle se trompe au nom de l'Assemblée. Vas-y. À haute voix. La sœur a dit il faut la parole. Qui dit mieux? Oui. Il faut que la parole que l'Esprit nous révèle. Qui dit mieux? Il faut le Saint-Esprit qui dit mieux. Pardon? La conscience de la présence de Dieu. La conscience de Dieu, oui. Un cœur disposé. Oui. Une relation intime avec le Père. Oui. Il faut connaître Dieu. Acclamez la sœur. Avant de dire que le Père demande ceux qui adorent en esprit et en vérité, Jésus a dit quoi? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous m'entendez? Affiche Jean chapitre 4. Verset 22. Jean chapitre 4. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. On devrait mieux dire, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Les vérités du verset 23 et 24 sont puissantes, mais la vérité principale se trouve dans le verset 22. Connaître Dieu est la chose essentielle qui nourrit notre adoration. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà.
C'est très important. Ma prière de tous les jours est que nous arrivions à un point où, quand nous chantons « Dieu est bon », que cela soit profond et que cela veuille signifier quelque chose de réel pour nous. Parce que notre adoration ne dépassera jamais la révélation que nous avons de lui. Le connaître est très important. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alors, nous sommes ici, quel que soit le sujet que nous abordons, le but est de le connaître. En vue de l'adorer. Alléluia. Qui croit que Dieu est la source de toutes sortes de solutions? Vous le croyez vraiment? Cela veut dire que si on entre en contact avec lui, on ne peut pas manquer de solution. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Non, le plus important dans la vie, c'est de pouvoir atteindre Dieu. N'est-ce pas? Et le moyen le plus important par lequel nous pouvons communier avec lui, par lequel nous pouvons l'atteindre, c'est l'adoration. Ce n'est pas la prière au sens large. La prière est une demande, n'est-ce pas? Sais-tu que tu peux envoyer une demande à une personne qui a le pouvoir et avoir une réponse sans jamais rencontrer cette personne? N'est-ce pas? Et la prière, elle pourvoit cela. Elle pourvoit à faire connaître nos besoins à celui qui a la solution, n'est-ce pas? Mais celui qui a un contact personnel avec celui qui a le pouvoir a de l'avantage sur ceux qui peuvent communiquer avec lui à distance. N'est-ce pas? Et l'adoration est vraiment le but de la vie. Mais pour y arriver, il faut le connaître. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Pour le connaître, nous avons sa parole. C'est pour cela que nous sommes là. Alléluia. Afin d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure révélation de qui il est. Tous les sujets que nous abordons sont là pour nous aider à mieux le connaître. Parce que le peuple de Dieu périt pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance, je le dis tout le temps. Depuis la première fois que j'ai entendu ça de Papa Karambiri en 2006, il dit « Mon peuple ne périt pas parce qu'il y a le diable. » N'est-ce pas? Vous imaginez, ce peuple n'a pas péri en Égypte. Pharaon n'a pas pu les atteindre. Son armée n'a pas pu les atteindre. Ce peuple a traversé la mer Rouge à pied sec. Et ce peuple est mort dans le désert sans adversaire. N'est-ce pas? Ils sont morts dans le désert. Sans combat, sans adversité. Satan n'est pas notre problème. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Satan n'est pas un problème pour un chrétien. Le monde n'est pas un problème pour un chrétien. Les problèmes ne sont pas un problème pour un chrétien. Le problème du peuple de Dieu, c'est le manque de connaissance. Osée 6:4. Quelle connaissance? Non, Osée 4:6. Quelle connaissance? Ça se trouve
au verset 1er. Osée 4:1, c'est la connaissance de Dieu. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de quoi? De Dieu. De qui? De Dieu. De Dieu. Alléluia. Amen. Pas une connaissance théologique, pas une connaissance biblique, pas une connaissance doctrinale, mais une connaissance de Dieu lui-même. Et dans ce lieu de l'adoration, ton esprit ne peut qu'être éclairé. C'est là où on trouve les réponses. C'est là où on trouve les solutions. Alléluia. Est-ce que vous croyez ça? Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Peu importe. Mais un vrai adorateur finira par trouver la porte et finira par trouver le chemin. Mais pour l'adorer, il faut le connaître. Il faut le connaître. Seigneur, aide-nous à mieux te connaître. Amen. Qui a été à la MIFA tout à l'heure? Je vois la proportion. Il y a une bonne partie, mais ce n'est pas la majorité. Je rends gloire à Dieu pour ce qui s'est fait aujourd'hui. Je dis merci à tous ceux qui ont travaillé et félicitations à toute l'équipe. N'était-ce pas un bon moment? C'était un très bon moment. Et il est très important. Quand je suis dans des moments comme ça, mon esprit est en ébullition. Et c'est important. Je voudrais encourager les étudiants à aimer ce genre de moment. Quand on est très jeune, on n'en voit pas toujours l'importance. Mais c'est bien de s'exposer à des moments comme ça, où l'on parle des choses de la terre et des solutions que les hommes essayent de trouver. Parce qu'on ne vit pas sur la lune. N'est-ce pas? On vit sur la terre. Les étudiants, ne négligez pas ces moments comme ça. C'est très important. Et tout le monde d'ailleurs, autant que vous pouvez, venez à ce genre de moment. C'est très bénéfique d'écouter des gens qui ont fait quelque chose. N'est-ce pas? C'est très bénéfique, c'est très important. De bénéficier de leur expérience, d'essayer de voir quel genre de solution ils ont trouvé ou bien qu'ils essayent de trouver et de se poser soi-même la question de savoir si nous prétendons avoir la vérité en Christ, est-ce que nous avons la vérité? Nous sommes supposés apporter des meilleures solutions, n'est-ce pas? Mais c'est toujours bien de comprendre ce que les autres ont fait. D'apprendre et de partager. C'est très important. Alléluia. Amen. Alors mes frères et mes sœurs qui avez travaillé, que Dieu vous bénisse. C'est une belle œuvre que vous faites. Il y a une dimension spirituelle importante
dans cette œuvre-là. Par exemple, tout à l'heure, on disait que, voyez, écouter les hommes d'expérience, c'est très bien. L'un d'entre eux a dit, ne commettez pas l'erreur de faire d'abord un plan, un projet, sans avoir une idée du marché. Parce que ton projet peut être formidable, intellectuellement bien préparé, et ne pas répondre aux besoins du marché, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est une leçon très importante. Et au fur et à mesure des discussions, et on s'est rendu compte que quel que soit ce qu'on fait, quel que soit ce que tu produis, c'est le marché qui dicte la loi, n'est-ce pas? C'est le marché qui détermine même les prix. Le marché, là, maintenant, c'est qui? Donc, c'est même pas les gouvernements qui déterminent ce qui doit être fait, n'est-ce pas? Les gouvernements sont contrôlés par les banques. Vous savez qu'il y a quelques banques qui contrôlent toutes les banques du monde. Et derrière ces quelques banques, il y a quelques familles. Donc le marché est entre les mains de quelques familles. Mais derrière ces familles, il y a qui? Il y a quelqu'un. J'aime pas citer son nom. Alors, avec la science, tu peux percer le marché à un certain moment. Mais il n'y a qu'avec l'Esprit de Christ que tu peux faire face au prince de ce marché. Et Dieu ne s'est pas désengagé dans ces affaires-là. Parce que toute la terre est à lui, il est en train de travailler pour reprendre le contrôle. Amen. Et le donner à ses enfants. Amen. Mais ses enfants doivent déjà être concernés et être préparés. Il y va de l'évangélisation du monde. Vous entendez? Donc, ne faites pas le spirituel en pensant que ces choses sont inutiles et que vous n'êtes pas concerné. Ce n'est pas être spirituel. Celui qui n'a pas compris ça n'est pas spirituel du tout. Il est religieux. Il n'est pas spirituel. La religion est déconnectée de la réalité. Mais la spiritualité n'est pas déconnectée de la réalité parce que c'est la spiritualité qui provoque la réalité. Vous entendez? N'allez pas dire que pasteur est en train de dire à tout le monde de faire la politique. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Alors, je rends grâce à Dieu parce que l'ACEPRO nous ramène à la terre. Aux choses de la terre. Trempin Gospel nous emmène au ciel. Ça fait l'équilibre, n'est-ce pas? Et TPV entre les deux, entre ciel et terre. C'est ça l'Église. Parce qu'on doit avoir un équilibre entre cette tension entre la terre et le ciel. Le ciel et la terre. Jésus, en enseignant sur la prière, n'est-ce pas? Sur la prière, a dit, dites que ton règne vienne sur la terre. Donc la prière doit aider à changer la situation du ciel, à transformer la terre à l'image du ciel. N'est-ce pas?
Mais le même Jésus dit, ne faites pas de la terre votre priorité. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Donc, il est question, tant que nous sommes sur la terre, à vivre de manière chaque jour à amener les solutions du ciel sur la terre, tout en nous préparant à ne pas manquer le rendez-vous du ciel. Et l'Église travaille dans ces deux sens-là. Et ces deux ministères que le Seigneur nous a donnés nous aident dans ce sens. Où là, c'est pour nous ramener à la terre, Tremplin Gospel nous envoie au ciel. Pour qu'on n'oublie pas ces deux bornes extrêmes. Et tous les jours, dans la vie de l'Église, nous les pasteurs, nous travaillons à veiller à ce qu'il y ait cet équilibre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous sommes le sel de la terre. Ça, c'est le ministère de l'ACPRO. Nous sommes la lumière du monde. Ça, c'est le ministère du Tremplin Gospel. Amen. Et d'autres ministères vont naître au nom de Jésus. Amen. Vous avez entendu? Je n'ai pas dit d'autres entreprises, d'autres business. Que Dieu vous donne les entreprises, les business que vous voulez. Et ça, ça ne me concerne pas. Je parle de ministère. Le monde est en train de changer. D'accord? Et la mission doit s'adapter. Elle ne doit pas avoir la forme ancienne. Et 24 heures sur 24, mon esprit est là pour comprendre comment est-ce qu'on peut appliquer l'évangile aux réalités d'aujourd'hui. Sans toucher au contenu. Vous comprenez ça? On n'a pas besoin de moderniser l'évangile. On n'a même pas besoin de l'adapter. C'est tout le monde qui doit s'adapter à l'évangile. Amen. Mais on a besoin de l'appliquer, de l'appliquer. De l'appliquer. D'accord? Alors, mon conseil, c'est que pour l'édition prochaine, veillez à avoir un tarif pour les étudiants quand même. Parce que 250, c'est le cinquième de leur bourse. Non, le tiers. Le tiers de la bourse de l'AMCEI. C'est quand même conséquent. Veillez aussi à mesurer les retombées de toutes les MIFA. Ça, c'est la cinquième édition, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça a apporté dans les vies des gens? Afin qu'il y ait des témoignages, n'est-ce pas? MIFA 2019, on avait parlé de l'agriculture. MIFA 2020, voici mon entreprise agricole. Amen. Ou bien on fait ça pour quoi alors? On fait ça pour quelque chose. D'accord? Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Ça, c'était pour nous encourager. Ce soir, nous allons parler de l'application maximale de la grâce excellente de la rémission. Application maximale. Comme ça fait longtemps, j'ai préparé un résumé, mettez la diapo, pour nous rafraîchir la mémoire. J'y vais. Nous nous sommes basés essentiellement sur ces deux textes, n'est-ce pas? Où Jésus, présentant son sang, n'est-ce pas? Il dit, ceci est la coupe, ceci est mon sang qui a été répandu pour la rémission des péchés. Alléluia. Et Éphésiens 1, Paul, un homme plein de révélations, va dire qu'en Christ, nous avons quoi? Éphésiens 1, 7. Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui. La rédemption, nous en avons abondamment parlé. Paul ajoute une autre information qu'il n'invente pas, n'est-ce pas? Jésus en a parlé
le jour de son dernier repas. Et Paul est un homme étonnant, en ce sens que quand il parle du Saint-Repas, en 1 Corinthiens 11, il dit « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous donne. » Et il décrit l'événement du dernier repas alors qu'il n'était pas là. Et Pierre et les autres sont surpris. Mais ce frère, d'où vient-il? Il le décrit exactement et il en donne l'explication spirituelle, la révélation. Les autres ont le récit parce qu'ils l'avaient vécu. Paul a la révélation, l'explication. Jésus avait dit que son sang était pour la rémission des péchés, n'est-ce pas? Et Paul en reparle en Éphésiens 1. Et l'erreur dans l'Église, c'est que des termes simples comme ça, comme la rédemption, la rémission des péchés, l'expiation, on a laissé ça dans les écoles bibliques. Vous rendez-vous compte que Christ dit qu'il a fait ça pour nous et quelqu'un va oser me dire que j'en ai pas besoin. Ce sont les pasteurs qui doivent l'apprendre. Est-ce que c'est normal? On a accusé les premiers chrétiens. Vous savez, les premiers chrétiens, la première église, pas l'église des Actes des Apôtres, mais à un moment donné, quand l'église s'est organisée, la Bible était réservée à certaines personnes. Tout le monde ne lisait pas. Et quand le peuple venait, le peuple écoutait ce que le prédicateur disait sans pouvoir le vérifier. Le peuple était à la merci du prédicateur. Si le prédicateur disait quelque chose de faux, prétendant que c'est la parole de Dieu, le peuple va croire que Dieu a dit ça. N'est-ce pas? Ou bien si le prédicateur ne dit pas quelque chose de faux, mais il dit quelque chose qui n'est pas juste parce qu'il a lui-même mal compris, le peuple va croire que Dieu a dit ça. Ne permettez pas à quelqu'un de te dire que lui, il étudie pour toi. Et toi, tu n'as qu'à boire ce qu'il te dit. Ce temps-là est dépassé. Dis à quelqu'un, ce temps-là est dépassé. Et quand on parle de l'école, ici à l'église, tout le monde s'attend premièrement à un diplôme. Ce qu'on ne fait pas, n'est-ce pas? Deuxièmement, tout le monde se demande, est-ce que je suis concerné? Tout le monde est concerné. Amen. Alléluia. Amen. Ces mots-là portent des richesses extraordinaires. Quand on les comprend, on connaît mieux Christ et notre adoration devient réelle. Et dans la réalité de cette adoration, on trouve des solutions. Adorer, ce n'est pas chanter. Hein? Vous m'entendez? Notre maison est toujours visitée par des gens. Demandez-leur s'ils m'entendent prier. Mais attention. Je peux faire mieux que toi avec un cantique. Un cantique de deux phrases, sans refrain, sans couplet. Je peux m'asseoir sur mon lit et dire seulement, mon Dieu est bon. Parfois quand je chante, je ne termine plus le cantique. Vous voyez, quand je dis, mon Dieu est bon, et puis mon esprit s'échappe. Parce qu'il est bon. Vous m'entendez? C'est ça qu'il y a dans mon cœur. C'est là où je veux vous emmener. Parce que celui qui s'assoit devant Dieu ne peut pas échouer. Amen. Je ne parle pas de celui qui vient à l'église. Amen. Dis-moi, qu'est-ce que tu ne peux pas faire dans ce pays si tu deviens l'ami de Sa Majesté? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu ne peux pas faire dans ce monde si tu deviens l'ami de Jésus? Mais l'obstacle, ce n'est pas que Jésus se cache.
L'obstacle, c'est qu'il s'est révélé dans la parole, mais on ne cherche pas à le connaître. Des choses simples comme ça, comme l'expiation, la propitiation, la rédemption, l'adoption, la rémission, personne ne s'y intéresse. On n'entend pas ça dans les cantiques. N'est-ce pas? Tu entends ça dans le cantique, dans les cantiques? Donne-moi un cantique. Je parle des cantiques modernes. Les gens ont des idées sur Dieu et ils chantent un Dieu fait à leur image. Ce sont des veaux d'or. Est-ce que je te parle? Il y a plein d'idolâtrie dans l'église sans image. Est-ce que vous savez que quand Israël est sorti d'Égypte, le veau d'or, c'était quel dieu? C'était Baal? C'était Astarté? C'était l'Éternel. Ils ont réduit l'Éternel en un veau. Même s'il est en or, je m'en fous. Et ne commets pas l'erreur de fabriquer Dieu, de le réduire à ton image et d'adorer le Dieu que tu voudrais qu'il soit pour toi. Ce cantique-là ne le touche pas. Parce que ce que ce chant dit, il ne se retrouve pas dedans. Je vais vous donner un exemple. Si tu viens, tu commences à me célébrer, tu sais, tu es un grand apôtre. Tu as fini de prêcher au Maroc. Même les tortues de Galapagos ont besoin de toi. Ça devient de la plaisanterie. N'est-ce pas? Pourtant, c'est grandiloquent ce que tu dis. Mais ça devient de la plaisanterie. Je ne me retrouve pas dedans. Qui t'a dit que je suis un apôtre? C'est pas parce que c'est beau que je dois l'accepter. Si je l'accepte, je suis insensé. J'exagère, mais c'est pour nous faire réfléchir. C'est pas parce que tu chantes pour Dieu qu'il se retrouve dans ton cantique. Tu dis la pensée de quelqu'un qui n'a pas lu les Écritures. Tu chantes les aspirations d'une personne qui ne le connaît pas. Et Dieu ne se retrouve pas dedans. Non? J'étais invité à prêcher quelque part et le frère Jean-Christophe m'a accompagné. Et à un moment donné, on lui a demandé de conduire un temps d'adoration. Vous connaissez comment il est, non? Il s'en fout de ce que les gens pensent. Il s'est levé, il a commencé à déballer tout le EPP dans sa prière. J'ai ouvert mes yeux, j'ai dit, qu'est-ce qu'il a ce frère? Il dit des choses, s'il le dit ici, entre nous, on se comprend. Parce qu'on est enseigné sur ça. Non, il s'en fout. Mais c'est bien, parce qu'il était en train d'adorer Dieu. Et l'atmosphère a changé. J'ai ouvert les yeux, j'ai vu les gens commencer à prier. Je pensais à moi-même, est-ce qu'ils comprennent ce que le frère est en train de dire? Et à un moment donné, il a abandonné tous les cantiques sophistiqués. Il a adoré, il a entonné seulement Abba, Père, je t'adore. Et vous le connaissez, non? Après, il priait, tu es mon père adoptif, blablabla, blablabla. Et ça a changé l'atmosphère. C'est ça l'adoration. Amen. Je préfère m'asseoir avec vous et vous expliquer quelque chose pendant 3 heures. Et à la fin, je vous bénis et vous rentrez. Parce que je sais que si vous le connaissez mieux,
vous saurez le trouver dans vos défis réels. D'accord? Donc, soyez encouragés. Aimez l'enseignement de la parole. Persévérez dans cette école. Alléluia. Amen. Vous n'aurez jamais le diplôme humain parce que je ne suis pas qualifié pour vous donner un diplôme. Et on n'en a pas besoin. Mais la vie va vous célébrer. La vie va vous présenter à l'humanité, vous dire voici un champion. Voici quelqu'un que vous devez suivre. La vie ne trompe pas. Alléluia. Alors, remettez la diapo, je vais faire une synthèse et je vais vous dire ce que je pourrais dire aujourd'hui avec le temps que nous avons. Il est question maintenant de la rémission, n'est-ce pas? Après tout ce que nous avons vu. Alors, la rémission égale pardon plus restauration. Le pardon, c'est bien. D'accord? Le pardon, c'est bien, je vous assure. Mais la restauration, en plus du pardon, c'est mieux. Rahab a été l'ancêtre de Jésus. Elle était prostituée. C'est une mauvaise chose. Elle a été pardonnée. N'est-ce pas? Mais au-delà du pardon, elle a été propulsée dans sa destinée. Et elle est devenue une femme qui compte dans l'histoire éternelle. Dieu a toujours fait ça. Il faut avoir cette information, n'est-ce pas? Pour aller au-delà du pardon. Combien de chrétiens disent, Seigneur, je suis tellement indigne à cause de tout ce que je fais. Si tu m'accueilles, c'est déjà bon. Ce n'est pas le connaître. Vous m'entendez? Ce n'est pas le connaître. Il a pris le pire des hommes et il a fait de lui le plus grand des apôtres. Paul. Il était un meurtrier, n'est-ce pas? Il a été pardonné. Il aurait pu se contenter du pardon. C'est de ça dont on parle. Ne te contente pas du pardon. A dû croire en la rémission pour arriver là où il est. Il y avait beaucoup de preuves qui parlaient contre lui quand il parlait de Jésus. Les chrétiens auraient pu lui dire, si notre frère, disciple tel est mort, c'est à cause de toi. Tu parles de Jésus, c'est bien beau, mais nous avons perdu un frère. Et il va répondre quoi? Les ordonnances qui me condamnaient, il les a effacées. Vous comprenez ça? Si tu ne crois pas à la rémission, le diable saura t'arrêter. Il va t'intimider. Il y a des milieux où tu parleras avec assurance parce qu'ils ne connaissent pas ton passé. Il y a des milieux où tu n'oseras même pas ouvrir la bouche. Et faire des prières minables, Seigneur. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Laisse ça s'en tenir. Lui, il habite en toi. Amen. Tu m'entends? Amen. Oh, je suis un pauvre petit pécheur. Arrête ça. Tu es une nouvelle création. Amen. Tu es la justice de Dieu. Amen. Tu n'es plus un pécheur. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'ignorance. C'est d'abord, d'une part, de l'ignorance, d'autre part, une insulte au sacrifice de Jésus. La rémission, vous comprenez? Elle booste notre foi. Elle nous aide à espérer, à rêver plus grand. Amen. Alléluia! Amen. Il faut entendre ça. La rémission, c'est l'annulation des fautes. Et quoi? L'annulation de leurs conséquences. Vous m'entendez? Vous entendez ça?
ne savais pas ça, qui lève la main. Est-ce que vous savez que chaque péché a une conséquence? Le pardon est bien beau, mais la conséquence est là. Qu'est-ce que je fais avec? Il y a quelque chose d'étrange dans l'omniscience de Dieu qui pouvait anticiper et les succès et les échecs des hommes. Dans son omniscience, il peut anticiper les conséquences. Et donc, il a trouvé dans sa sagesse pas seulement les réponses aux fautes, mais les réponses même aux conséquences générées par ces fautes. Il faut avoir cette information. C'est ce qui fait que la rémission a fait que l'héritier de David est venu de la femme adultère. Vous entendez ça? S'il n'y a pas ça, nous serons limités dans la vie. Qui n'a pas péché, qui lève la main? Personne. Alors, qui a fait des péchés qui n'ont pas de conséquences? Qui lève la main? Et levez la main. Donc, tout le monde a commis un péché qui a des conséquences? Alors, qui croit que le Seigneur l'a pardonné de ses péchés? Qu'est-ce qu'on fait avec les conséquences maintenant? La solution de Dieu doit s'occuper aussi des conséquences. Et dans ce nouveau voyage, dans ce chapitre, je vais vous montrer, c'est étonnant. Dieu ne peut être surpris par rien, il ne peut être dépassé par rien. Je vais vous prendre des cas. Vous savez, le diable est rusé. La ruse, c'est une grande sagesse négative. Vous m'entendez? Quand le diable pousse quelqu'un à mentir, il ne vise pas que le mensonge. Le mensonge est une sémence qui va engendrer des choses de telle sorte. Pourquoi les gens qui ont menti continuent de mentir? Parce qu'ils sont piégés par les conséquences du mensonge. Et ça fait qu'ils disent, mais si j'avoue, maintenant c'est grave. Mentons encore un peu. Et ils s'enfoncent, et ils s'enfoncent, et ils s'enfoncent. Et à un moment donné, ils se disent, mais si je reconnais maintenant, je dois reconnaître ça. Ensuite, je dois reconnaître ça. Ensuite, oh, j'ai atteint un point de non-retour. Il n'y a pas de point de non-retour. Amen. Parce que là où le péché abonde, la grâce fait quoi? Amen. Il n'y a pas de point de non-retour quand tu connais la grâce. Amen. Donc, ne sous-estimez pas le diable. Mais nous devons estimer la grâce de Dieu à sa juste valeur. Personne ne peut être piégé par le diable à un tel point que Dieu n'ait plus de solution. Impossible. Alléluia. Personne. Quand nous prenons la Sainte Cène, nous ne célébrons pas le pardon des péchés. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Pourquoi? Ton péché est pardonné à l'instant où tu as demandé pardon. Mais à la Sainte Cène, tu entres dans un mystère plus fort que le pardon. Vous m'entendez? Et c'est ça que nous célébrons. Je veux que vous ayez cette révélation pour ne plus mettre la coupe à la bouche mollement. C'est la célébration de notre victoire. C'est comme si on riait. Satan, tu m'avais piégé. Mais regarde, je bois ça. Tu vas voir ce qui va se passer. La conséquence de la faute dans laquelle tu m'as poussé va devenir la solution qui va t'humilier. Réfléchissez un peu. Réfléchissez.
J'aime le dire souvent, mais je vais continuer. Réfléchissez. Quand Pharaon fait de Joseph son premier ministre, est-ce que Joseph était converti aux divinités égyptiennes? Est-ce que Pharaon était devenu croyant? Non. Est-ce que Pharaon n'était pas contrôlé par Satan? Si. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du Pharaon pour donner tout le pouvoir à quelqu'un qui ne célèbre pas son Dieu? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Réfléchissez un peu. Un autre Pharaon plus tard qui n'avait pas connu Joseph se rend compte de ce que Dieu avait fait, n'est-ce pas? Il avait déjà inséré Joseph dans le système. Et à travers Joseph, le peuple de Dieu est entré dans le pays et a commencé à prendre le contrôle. Donc il se dit, montrons-nous habile. Donc il essaie de voir loin, n'est-ce pas? Et d'anticiper l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais même en voulant anticiper ça, Dieu avait anticipé ce qu'il allait anticiper. Je vous parle comme ça pour que votre adoration devienne quelque chose de réel. Et il décide de tuer tous les mâles. Ça veut dire quoi? C'est un génocide intelligent. On ne tue pas tout le monde. Il laisse les femmes. Pour te dire qu'il était dans la précision. Mais finalement, c'est lui-même, sa maison va élever. Est-ce que tu peux comprendre ça? Est-ce que tu peux comprendre ça? La même chose avec Paul. Dieu prend le champion de Satan, appelé Paul, et le retourne contre Satan. Donc, les conséquences qui te font pleurer, si tu fais confiance à la grâce de la rémission, Dieu va les retourner contre celui qui t'a fait pleurer. Amen, amen, amen. Il va les retourner. Je vais vous dire un secret. Je ne l'ai jamais dit, mais je veux le dire pour la première fois. Dans ma grande famille, il y avait des gens qui avaient tout fait pour que je ne réussisse pas aux études. Parce que très tôt, Dieu m'avait donné une intelligence miraculeuse. J'étais miraculeusement intelligent. Tous les examens de ma vie, je les ai faits en étant malade. Je tombais toujours malade la veille des examens. Et avec ça, j'avais 16 de moyenne. Imaginez si je n'étais pas malade. Et ils ont combattu mes études de toutes les manières. Je ne peux pas entrer dans les détails. Mais tous ces obstacles m'ont orienté dans la Bible. Si j'avais atteint mes rêves scientifiques, vous n'aurez pas un pasteur. Donc même ce combat-là était entre les mains de Dieu. Amen. Comment tu peux décourager dans la vie si tu commences à, si tu es éclairé comme ça? Alléluia. Te décourage pas. Parce que le trésor que tu portes, tu n'en as pas encore l'idée. Amen. Mais le problème, c'est que tu ne connais pas Dieu. Tu ne le connais pas bien encore. Parce que le genre de personnes que toi et moi nous sommes, nous sommes des genres de personnes qui sont tellement élevées que ce ne sont pas les hommes qui doivent nous aider. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi, l'homme ne peut pas le faire. Amen. Quand bien même il le voudrait.
Il faut arriver à un point où tu libères sa main en ta faveur. Ça passe pas par les supplications et les requêtes. Je n'ai pas dit qu'il ne faut plus demander des choses. D'accord? On est d'accord, non? Je n'ai pas dit qu'il ne faille plus demander. Mais c'est pour les petites choses. Dieu peut faire n'importe quoi avec n'importe qui. Amen. Qui croit ça? Il peut faire n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Parce qu'il est souverain et tout-puissant. Alléluia. Ainsi, la rémission, c'est l'annulation des fautes. Pardon, plus l'annulation de leurs conséquences. Nous avons, puisqu'on parle de la rémission de péché, il était bon de comprendre ce qu'est le péché, n'est-ce pas? Ce qu'est le péché d'après Dieu. Amen. Parce que tu peux pécher contre ton frère. Tu peux pécher contre une famille. Tu peux pécher contre une organisation. Par exemple, quand on a réuni les Pierre et Jean dans le Sanhédrin, on leur dit, ne vous avions-nous pas dit de ne plus parler en ce nom-là? Donc ils ont péché contre le Sanhédrin. Mais ce péché contre le Sanhédrin n'était pas un péché contre Dieu. Ok? Quand on parle du péché, c'est par rapport à Dieu. Et ça doit nous faire trembler parce que pécher contre Dieu, c'est grave. Mais pour Dieu, nous avons vu que le péché, c'est la transgression de la loi, donc la rébellion. Le péché, c'est agir sans conviction, donc c'est de l'hypocrisie. Le péché, c'est de ne pas faire le bien que tu sais que tu peux faire. Tu n'as pas fait le mal, n'est-ce pas? Tu n'as pas fait le mal. Ça, c'est l'histoire de la plupart de chrétiens. Ils ne font pas le mal, mais le bien qu'ils savent qu'ils doivent faire, ils ne le font pas. Dieu dit, tu as péché. Seigneur, je n'ai fait aucun mal. Il dit, oui, tu n'as fait aucun bien non plus. Et quand on regarde ça, ça devient difficile, n'est-ce pas? Et je vous ai dit que est juste celui qui n'est pas rebelle. Quand on ne transgresse pas la loi, on est juste. Quand on n'agit pas par hypocrisie, on est juste. Quand on ne néglige pas de faire le bien, on est juste devant Dieu. Mais Christ a fait de nous la justice de Dieu. N'est-ce pas? Christ n'est pas venu pour que tu sois juste. Vous m'entendez? Christ est venu pour que toi et moi nous soyons justice. La justice de Dieu. Et celui qui est justice de Dieu, il n'est ni rebelle, ni hypocrite, ni négligent. Vous voyez que 2 Corinthiens 5:21 n'est pas un slogan, c'est une réalité. Alléluia! Amen. C'est une réalité qui n'est possible qu'en Christ. Il y a des païens qui ne sont pas hypocrites, hein? N'est-ce pas? Je connais des gens comme ça, eux ils disent la vérité, ils disent je vais te dire la vérité en face. Et quand ils te disent ça, ça fait mal. Ils font des dégâts avec la vérité. L'évangile ne prêche pas ça. L'évangile parle de la douceur. La vérité qui construit les vies, pas qui les détruit. Et nous avons terminé
Et je veux m'arrêter là aujourd'hui. Où Jean-Baptiste a vu en Christ l'agneau de Dieu qui ôte le péché. N'est-ce pas? Mais Jésus ne dit pas ça. Faites attention aux Écritures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faites attention. Par exemple, il y a une question qu'on me pose souvent. C'est que Dieu a dit qu'il est donné à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. À la fin de sa vie, Samuel est allé consulter une nécromancienne. Les gens soi-disant... J'ai dit quoi? Samuel. Oh pardon, Saül, merci. Et cette femme prétend que Samuel lui a parlé et lui aurait dit « Pourquoi tu troubles mon sommeil ?» N'est-ce pas? Et on dit « Pasteur, voici c'est écrit. » C'est écrit. Caïn sera vengé cette fois, c'est aussi écrit. Mais qui le dit? Vous entendez? Qui le dit? Oh, pasteur, pourquoi vous êtes contre la polygamie? Même Salomon a eu 3000 femmes. Oui, c'est écrit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu a dit, il n'est pas bon qu'Adam soit seul quand il avait une seule femme? Hein? Hein? Donc tu es déjà marié, pourquoi tu penses que tu es seul? Et dit, faisons-lui plusieurs aides semblables. C'est ça? Au commencement, Dieu créa l'homme et ses femmes. C'est pas parce que c'est écrit. Qu'est-ce qui le dit? Et qu'est-ce que ça veut dire? Jésus nous a montré, quand Satan prend la parole, il dit à Jésus, il est aussi écrit. Jette-toi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il ordonnera à ses anges de te porter de peur que tu... D'accord? Qui le dit? Oh non, il est aussi écrit. Mais qui dit ce qui est écrit là? Monte du haut de l'immeuble. D'accord? Jette-toi. Explique-moi quand est-ce que tu auras le temps de heurter contre une pierre. Comment tu vas faire ça? Vous avez compris? Et faites attention, il y a beaucoup de prétextes comme ça dans les prédications. Je parlais avec maman d'un auteur d'une prédication. Elle m'en a parlé, elle m'a dit, quel est ton avis? Il a dit ça, quel est ton avis? Je lui ai dit, laisse-moi, je vais écouter moi-même. Je vais écouter moi-même. Et quand j'ai eu le temps, j'ai écouté. C'était pas mauvais. Mais mon esprit n'était pas tranquille. Il avait son principe de base. Tout ce qu'il disait après semblait bien. Mais son principe de base, j'avais un malaise avec. Et comme il prenait ça de la vie naturelle, de la vie quotidienne, je ne pouvais pas m'y opposer. Parce que dans la vie quotidienne, c'est comme ça. Mais faire un enseignement de la parole de Dieu... En partant d'une réalité de la vie quotidienne, c'est dangereux. Je ne comprends pas pourquoi les prédicateurs ne prennent pas les Écritures et ils suivent les mots. Ça va nous mettre à l'abri de l'erreur. Alors, je me suis tué. Quelques jours plus tard, Papa Carambiri a pris le même sujet. Il a dit simplement une phrase. Vous vous dites que ça, ça emmène à ça. Qui vous a dit? N'avez-vous pas vu dans la vie réelle les gens qui font la même chose et qui n'arrivent pas là-bas? Et puis il a dit, bon, passons à notre message. Ça suffisait pour moi. Qui le dit?
Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Réfléchissez. Comment se fait-il que dans Acte 19, il y a des gens qui étaient baptisés du baptême de Jean, mais Paul les rebaptise? Vous connaissez ça? Pourquoi? Parce que ce n'était pas le message de Christ. Il y avait des points communs. Mais Christ est venu, il n'est pas venu mélanger l'Ancien et le Nouveau. Est-ce que vous entendez ça? Jean-Baptiste était dans l'Ancien Testament ou bien dans le Nouveau? Alors, Jésus n'est pas venu mélanger. Il est venu abolir, accomplir et abolir. Quand tu as accompli quelque chose et que tu as aboli, on met ça dans la poubelle. Alors il nous dit, on ne fait pas du neuf avec de l'ancien. Faites attention avec votre foi. Si un peu de Moïse et un peu de Jésus, ça ne marchera pas. Si un peu de loi et un peu de grâce, ça ne marchera pas. Et Paul avait très bien compris ça. Les gens sont venus, ils se disent chrétiens, des disciples d'Apollos. Ils n'ont même pas entendu parler du Saint-Esprit. Et Paul dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils disent du baptême de Jean. On ne devait plus les baptiser. Paul dit non. Ce n'est pas la même chose. Vous m'entendez? Et Paul a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce qui est déjà extraordinaire. Croyez-moi, c'est extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire pour les hommes, c'est encore rien pour Jésus. On n'a même pas encore commencé. Jésus n'a jamais dit qu'il est venu ôter le péché. Il est venu pour la rémission des péchés. C'est-à-dire qu'il enlève le pardon. Et puis, selon ta foi, il travaille avec les conséquences de ses fautes. Vous connaissez le fumier? C'est quelque chose qu'on jette, n'est-ce pas? Mais que quelqu'un d'avisé récupère. Et qui met dans son champ une poubelle, un déchet qui devient fertilisant. Ce que tout le monde peut jeter, Jésus peut le transformer en fertilisant pour ta vie. Même chose. Alléluia. C'est ça la rémission. Quand tu comprends ça, tu dois t'asseoir. Tu regardes tous les domaines où le diable t'avait trompé. Et tous les sujets de honte que ces choses ont générés. D'accord? Tu commences à prendre chaque sujet de honte là. Et tu viens à Jésus. Tu dis, transforme ça en sujet de gloire pour moi. Tu vas le faire? Et je te promets qu'il va le faire si tu le fais. Alléluia. Nous sommes dans les temps de la fin. D'accord? Il est important pour nous de comprendre l'évangile à 200%. Parce que sinon, ça va être dur. Ah, je vous assure. Je ne veux pas que vous soyez des illuminés qui inventent des révélations inutiles, qui n'ont aucun sens. Je veux que vous soyez des gens qui ont compris l'œuvre achevée de Christ. Amen. Qui n'ont rien à dire à Dieu tant qu'ils n'ont pas l'écriture. Et quand ils prient sur la base de ce qui est écrit, ils savent que Satan n'est plus un problème. Alléluia. Et Dieu va faire de grandes choses. Amen. Amen. Remercions-le pour sa grâce. La journée a été longue. Et on ne va pas être très long ce soir. Remercions le Père pour sa grâce. La sœur Arlette va venir nous aider à nous conduire dans la prière.
Remercie le Père, remercie-le. Remercie-le de t'avoir nourri ce soir. Remercie-le. Remercie-le. Oh Père, merci. Oh Père, merci. Père, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton exhortation. Merci Seigneur, car la vie vient de ta connaissance. Et en ce soir, je suis venu pour te connaître mieux. Oh Seigneur, que chaque jour, je te connaisse mieux. De mieux en mieux, chaque jour. Chaque moment de prière, chaque temps avec ta parole, Seigneur. À chaque fois que j'ouvre ta parole, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta parole. Que je te connaisse mieux. À chaque moment que je viens, oh, que ce soit une réunion de la cellule, que ce soit à l'EPP, à la profondeur ou au culte, Seigneur, que je te connaisse mieux. En parlant avec les frères et sœurs, que je te connaisse mieux. Seigneur, dans chaque répétition, dans chaque service, que je te connaisse mieux, Seigneur. Oh, chaque jour avec le torrent de vie, que je te connaisse mieux. Car les vrais adorateurs, ce sont ceux qui te connaissent. Oh, fais-moi te connaître. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Donne à mes yeux de la clarté. Donne à mes yeux de la clarté. Donne à mes yeux de la clarté, afin que je voie, que je connaisse, que j'entende, que je comprenne. Donne-moi du savoir et de l'intelligence, afin que je te connaisse mieux. Garde-moi de t'adorer sans te connaître. Garde-moi de t'adorer sans te connaître. Garde-moi de t'adorer sans te connaître. Révèle-toi à moi chaque jour. Chaque jour, Seigneur, révèle-toi à moi. Chaque jour, révèle-toi à moi. Chaque jour, révèle-toi à moi. Oh, Santa Yendaraba. Robo Shendereba Handa Hindaba Saka Yende. Yondo Robo Santa Yendaraba Hondo Vosaka Yende. Robo Shendereba Handa. Mateika Raba Sundo Robo Shende. Rakava Santa Yendaraba Hondo. Raba Santa Yendereba. Oh, Saka Yendaraba. Demande au Père qu'il fasse de toi un vrai adorateur. Qui le connaît en vérité, non point par des suppositions, mais qui te révèle qui il est au travers de sa parole. Oh, demande-lui de te donner tous les jours de la connaissance et de l'intelligence. Demande du savoir et de l'intelligence. Demande du savoir et de l'intelligence. Oh, j'ai besoin de ton savoir, Seigneur. J'ai besoin de savoir qui tu es. Et je te demande ce soir, chaque jour, éclaire mes yeux, la révélation de tes paroles m'éclaire, elle me donne de l'intelligence, elle me donne de la sagesse. Oh Seigneur, affermis mes pas dans ta parole, affermis mes pas dans ta parole. Oh, ne laisse aucune iniquité dominer sur moi, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta parole. Fais-moi te connaître de mieux en mieux. Fais-moi te connaître de mieux en mieux. Oh, fais-moi te connaître de mieux en mieux. Oh, fais-moi te connaître de mieux en mieux. Car je me réjouis en toi et en ta parole. Je me réjouis en toi et en ta parole. Comme celui qui trouve un grand butin. Ta parole fait les délices de mon être. Te connaître fait les délices de mon être. Tu es mon précieux bien, mon refuge, ma forteresse, mon abri, mon Dieu en qui je me confie. Oh, Santa Yendaraba Sondorobo, Rikaba Santa Yendaraba Hondo. Oh, Mata Yendaraba Hondobo. Oh, je viens chaque jour pour te connaître. À chaque réunion, c'est pour te connaître. Fais-moi te connaître mieux. Oh, Seigneur, je laisse de côté tous les hommes. Toutes les préoccupations personnelles. J'ai une seule préoccupation, une seule chose qui bouillonne dans mon cœur. David a dit, il y a une seule chose que je désire ardemment, c'est de demeurer dans ta maison et de contempler la magnificence de ton temple. Je veux te connaître, Seigneur. Fais-moi demeurer là où tu es. Que tes paroles demeurent en moi et que tu demeures en moi et que tu me fasses connaître le Père. Car Seigneur Jésus, tu es venu nous révéler le Père. Ouvre mes yeux. Chaque jour, ouvre mes yeux. Donne à mon cœur de l'intelligence. Donne à mon cœur de la clarté. Fais-moi te connaître. Fais-moi te connaître. Fais-moi te connaître. Fais-moi te connaître. Chaque jour, fais-moi te connaître. Oh, Santa Yindarabasondo. Riba Handa Yenderebe.
Ne me laisse pas entrer en jugement. Tu es venu afin que le monde soit sauvé et qu'il ne soit point jugé. Et ne pas te connaître, c'est cela le jugement. Oh Seigneur Dieu, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Répands ta connaissance comme l'eau couvre le fond des mers. Répands ta connaissance sur nos vies comme l'eau couvre le fond des mers. Répands ta connaissance sur notre comme l'eau couvre le fond des mers. Répands ta connaissance, Seigneur. Oh Saint-Yenderebaba, Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Nous ouvre les trésors de la connaissance du Père. Le Saint-Esprit de Dieu nous ouvre les trésors de la connaissance du Père. En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et chaque jour, tu me fais connaître le Père. Tu me fais connaître le Père. Tu me fais connaître le Père. Chaque jour, tu me fais connaître le Père. Et je me réjouis. Je me réjouis de cette connaissance. Je me réjouis de cette connaissance. Oh, Saint-Yenderebe. Tu me fais connaître la bonté du Père. Tu me fais connaître la fidélité du Père. Tu me fais connaître sa justice. Tu me fais connaître sa sainteté. Tu me fais connaître qui il est vraiment. Tu me fais l'adorer. Oh Saint-Esprit de Dieu, tu es bon pour moi. Oh Saint-Esprit, tu me révèles qui est Jésus. Tu me révèles qui est le Père en Jésus. Oh merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh merci Jésus. Merci, merci pour cette grande révélation. Oh, chaque jour que j'ouvre la parole, ma vie n'est plus jamais la même. Parce que ta lumière m'éclaire, elle m'éclaire. En elle était la vie, et la vie est la lumière des hommes. Oh Seigneur, je suis au contact de la vie qui change ma vie, la vie qui m'illumine. Je ne suis plus jamais dans les ténèbres. Je proclame la parole, je ne suis plus jamais dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie vient à moi, à chaque instant que j'ouvre la parole, à chaque instant que j'écoute la parole, à chaque instant, Seigneur, la lumière de la parole vient à moi. Oh, Santayendereba, Yondorobo Shendereba, Yondorobo Sakaide. Nous allons encore demander au Père que chaque réunion, chaque moment de méditation, chaque moment de service, chaque fois que nous nous retrouvons ou que tu te retrouves seul avec la parole, que ce soit pour mieux le connaître. Pas un autre but. Pas un autre but. De mettre dehors les autres buts. Que tu viens à l'église pour trouver un mari, pour trouver une femme, pour trouver des enfants, pour trouver quoi que ce soit. Non, mets ça de côté. Demande une seule chose. Pour mieux te connaître. Pour mieux te connaître, Seigneur. Je renonce à toute idolâtrie. Je ne veux pas faire un veau d'or. Ces besoins-là, tu les connais parce que tu es mon père. Tu les connais très bien, tu es mon papa. Tu le connais très bien, tu es mon papa. Et je les expose devant toi chaque jour. Oh, mais je sais qu'une chose, seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la meilleure part. Non point de servir d'abord, mais d'entendre les paroles de Dieu. Mais d'entendre les paroles de Dieu. Qu'à chaque instant ce soit pour mieux te connaître. Chaque réunion pour mieux te connaître. Chaque enseignement pour mieux te connaître. Chaque fois que je m'approche de la Bible, que ce soit pour mieux te connaître. Une seule chose que je désire ardemment, c'est mieux te connaître. Une seule chose que je désire ardemment, c'est mieux te connaître. Connaître la puissance de ton règne. Connaître ta majesté. Connaître qui tu es. Ton caractère et ton pouvoir. Connaître les choses que tu as préparées. Oh, c'est ce que je désire. Et merci. Car tu es ma porte ouverte. Jésus est ma porte par laquelle j'entre et je trouve la connaissance de Dieu. Jésus est la porte. Jésus est ma porte. Jésus est ma porte. Jésus est ma porte. Et j'entre en Christ et j'ai tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ils sont cachés en Christ. Oh merci papa. Robo Shenderbe. Rabako Robo Santayinda. Robo Shende. Riba Santayendere Baba. Yondobo Sakayenderebe. Robo Shenderebe. Je renonce à toute autre chose. Oh oui, les autres choses avaient accaparé mon esprit. Mais Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Maintenant, une seule chose qui compte à mes yeux, c'est mieux te connaître. C'est connaître la puissance de ton règne. C'est mieux te connaître chaque jour de ma vie. Chaque jour de ma vie, je bénis ton grand nom. Je te célèbre. C'est mieux te connaître à chaque instant. À chaque instant. À chaque instant.
mieux te connaître, connaître ta puissance. Oh Santa Yondo Roboshende, Rikaba Santa Yindaraba, Roboshende Reba Baba, Yikaraba Santa Yenderebe, Manda Yondo Roboshende Reba, Rikaba Santa Yenderebe, Yoraba Santa Yindaraba, Rokobo Santa Yende, Manda Yendereba Bahanda, Oh Saka Yenderebe. Merci Jésus. Merci Jésus. Raba Santa Yindaraba, Rokoboshende Bahanda, Yikaraba Santa. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Éphésiens chapitre 1, verset 7. La Bible dit que celui qui croit dans son cœur parvient à la justice, mais celui qui confesse de sa bouche parvient au salut. Tu as entendu la parole de la rémission ce soir. Cette parole doit venir maintenant dans ta bouche et dans ma bouche. Et elle doit devenir ma confession, ma proclamation. La Bible me dit que la parole de Dieu est une épée aiguë à deux tranchants, à deux bouches. Dieu a dit, mais nous aussi nous avons à dire quelque chose. Et ce soir, nous appuyons sur la parole de Dieu. Tu vas commencer à confesser qu'en Christ, tu as la rédemption par son sang. Tu as la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Tu as le pardon et la restauration. Tu as l'annulation des fautes et l'annulation de leurs conséquences. Tu vas recevoir cette grâce-là abondamment. Quelle que soit la pensée qui te vient, confronte-la avec la parole de Dieu. Dis selon la richesse de sa grâce, j'ai la rémission des péchés. Selon la richesse de sa grâce, j'ai la rédemption par son sang. Selon la richesse de sa grâce, je la reçois abondamment. Dieu l'a répandue sur moi et je la reçois abondamment. Je la reçois, je la reçois. C'est cela la bonne nouvelle de Jésus. C'est cela la bonne nouvelle de Jésus. Toutes les conséquences de mes fautes ont été englouties. Je m'attends à la grâce de Dieu. Je m'attends à la grâce de Dieu. Je reçois la grâce de Dieu. Je reçois la grâce de Dieu. Toutes les conséquences deviennent des sujets de gloire. Les sujets de honte deviennent des sujets de gloire. Les sujets qui m'avaient abaissé sont des sujets de gloire. Écoute-moi bien, Satan. Je marche dans la rémission. Je marche dans la réalité de la rémission. Mon papa a tout payé. Mon papa a tout payé et je marche dans cela, je marche dans cela, je marche dans cela. J'ai la rémission par son sang, j'ai la rémission par son sang. Il n'est pas venu seulement ôter le péché, non, il m'a donné la rémission. Oh merci Jésus, tu as dit que j'ai la rémission par son sang. Tous les sujets de honte, tous les sujets de honte sont maintenant des sujets de gloire. Transformation, transformation. Je proclame la gloire de Dieu dans ma vie. Je proclame la gloire de Dieu dans ma vie. La gloire de Dieu se lève dans ma vie. La gloire de Dieu se manifeste dans ma vie. La gloire de Dieu est présente dans ma vie à cause de la richesse de la grâce de Dieu. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Elle est présente, manifeste, renouvelée. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es ma gloire. Tu es ma gloire, Seigneur. Tu es mon rocher. Tu es ma forteresse. Tu es ma gloire. Merci Jésus. Je reçois abondamment ta grâce. Je reçois abondamment ta grâce. Là où l'ennemi m'a abaissé, Dieu vient. De la poussière, il me retire. Du fumier, il me retire. Pour me faire asseoir avec les grands. Avec les grands de son royaume. Oh, merci papa. Je te bénis. Je t'adore. Je te lève. Tu es le roi. Tu es le roi. Manda yondo robo shende. Rika basante yende rebe. Raba handa yende. Merci pour ta grâce surabondante. Dieu retourne les situations. Il retourne les situations. Les situations sont retournées. Les situations sont retournées. Les situations sont retournées. Au nom puissant de Jésus, je déclare maintenant, selon la parole de Dieu, un retournement de situation. Un retournement de situation. Toutes les situations de honte deviennent des situations de gloire. Toutes les situations de honte deviennent des situations de gloire. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Toutes les situations de honte deviennent des situations de gloire. Je le proclame. Je l'ai relevé ma tête. Il a relevé ma tête. Je marche en victorieux. Je marche en triomphateur. La gloire de Dieu est sur ma vie. La gloire de Dieu est sur ma vie. La gloire de Dieu est sur ma vie. Je rayonne. Je rayonne. Je rayonne. Je rayonne. Je rayonne. Je rayonne. De la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est sur ma vie. La gloire de Dieu est sur ma vie. Il me donne une couronne au lieu de la cendre. Il me donne un vêtement de gloire. Un vêtement nouveau au lieu de
esprit abattu. Il me donne un chant au lieu des larmes. Il me donne un chant au lieu des larmes. Il me donne un chant au lieu des larmes. Il me donne de proclamer haut et fort son nom au lieu des larmes. Oh, au lieu où j'étais délaissé, abattu, l'Éternel est mon refuge. Oh, Matayanda Raba, Riba Sakayende Rebe, il m'étend à gauche et à droite. Oh, par sa grande puissance, il est bon et il est fidèle. Il est bon et il est fidèle. Il est bon et il est fidèle. Merci pour la rémission. J'ai confiance en toi. 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 Je me confie en toi. Que peuvent me faire des hommes? J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Tu as tout pourvu. Tu as tout pourvu. Tu as tout pourvu. Tu as tout pourvu. Gloire, honneur, puissance, majesté. Honneur à ton nom. Honneur à ton nom. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tu me donnes un diadème au lieu de la cendre. Une couronne au lieu de la cendre. L'huile de joie. Une onction de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est ce que tu fais afin que je sois appelé terrain de la justice. Oh, merci pour ta justice. Rends grâce à Dieu pour la justice que tu as en Christ Jésus. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit qu'il a été fait péché afin que tu sois justice. Déclare que tu es la justice de Dieu. Déclare cela. Tu es la justice de Dieu. Pas de rébellion dans ta vie, pas de négligence dans ta vie, pas d'hypocrisie dans ta vie, parce que le Père a déjà tout payé. Il a déjà tout payé. À partir de maintenant, tu marches dans la justice divine. Tu marches dans la justice divine. Ce sera ta part. Au nom puissant de Jésus, la justice divine est ta part. La justice divine est ta part. Au nom de Jésus, Matahanda Yendereba, Riba Saka Yendereba, tu marches comme un juste, un juste. Tu marches en tant que juste. Tu marches en tant que juste parce qu'il a dit, il a déclaré, il a déclaré, et cela est ta portion. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Oh, alléluia! Oh, alléluia! Gloire, gloire, gloire à honneur à ton nom. Merci Seigneur, merci Seigneur. Makaye karabashende, riba santayende, robo santayende, robo shenderebe, riba bababa santayende, karabasakayende, et te loue. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, oui, je te loue, oui, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Oui, je te loue, je te loue, papa, je te loue, je t'adore, oui, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Oui, je te loue, je te loue, mon Dieu, je t'adore, mon roi, oui, roi de mon cœur. Oh, je te loue, je te loue, je te loue, oui, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Oui, je te loue, je te loue, oui, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur.
mon cœur. Oui, je te loue. Je te loue. Je te loue. Je t'adore. T'adore, je célèbre. Roi de mon cœur. Alléluia. 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 Merci, Jésus. Merci, 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 Jésus. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus.